Non, rétabli contact avec Colonel Himmler Ibu. Bonjour. Rebonjour alors. Bonjour Gisèle, bonjour Johnny, bonjour à toute l'équipe. Oui, alors, tu as réagi par rapport à la question de Bozo qui vient pour avec mise en place et conseil présidentiel là, qui jusqu'à présent dans l'impasse à cause de division qui gagnait dans niveau équipe à quoi 21 décembre là, et également Petite Dessalines qui est même de décliné participation dans le conseil là. Donc, vous avez commenté ça avec nous. Comment comprendre, on dit mise en place ce conseil présidentiel là, qui est même après la mission former un autre gouvernement. Bon, j'ai analysé la situation depuis avant. Et depuis le même jour où j'ai envoyé le papier à joindre mon caïcom, nous prenons une position publique sur ça. Et moi, j'ai un gros déficit d'analyse anticipative. Parce que lors de la situation, il y a une capacité pour analyser, pour qui ça qui mène situation là, et si la évolue, si conséquence qui a bien, et qui gens sont capables de porter des solutions. Moi, ouais, non, moment où il est là, il y a plus de monde qui ouais, tout seul bagaille pouvoir. Et comme c'est presque une tradition en Haïti, on n'a pas posé deuxième question, pouvoir pour faire quoi? Et ces réponses à question là, il faut prendre un engagement dans la proposition de pouvoir. Et le collège présidentiel a fait une idée qui se prend naissance après Montana, c'est avec Pen, je peux venir le consensus Pen-Montana. Pas oublier dans l'historique, Montana, c'est lui-même qui a fait une élection interne, lui a dit qu'il y a un président, il y a un premier ministre. Et puis, c'est eux-mêmes qui vont l'occuper pour voir l'exécutif là. Ils viennent évoluer. Et là, nous-mêmes, dans le gré, nous avons deux groupes. Tout dossier politique là qui dérive des raisons ou bien qui acceptent ensemble. En plus, ils ont chaque sorte de position personnelle de guerre pour essayer de jouer nos solutions politiques. Nous disons nous-mêmes dans le gré qu'il y a une conviction que le problème qui vient là, à l'époque, pas de résoudre que par le dialogue, nous allons appuyer le processus, consensus qui fait appel au Montana. Et nous prenons des positions publiques pour que ça soit. Et une de un collège présidentiel. Et le gré de rentrer en dans le conseil suspend Montana, c'est nous-mêmes qui travaillons sur le mécanisme qui vous permettre le conseil de fonctionner. Mais la situation vient évoluer. Elle vient évoluer jusqu'à ce que nous retrouvions dans la situation à la Jamaïque. Et à la Jamaïque, moi-même personnellement, dans la délégation collective de Grand Janvier, moi, j'ai parlé avec Alex Rita et Thorez Lafin, dit Dr. Ariel Henry, souvent ça nous comprend, nous n'avons pas d'alternative de rentrer dans la solution collège là, parce que le bagage est fabriqué à partir de HCTA, qui montre son base totalement illégale, même là avec le gouvernement, juridiquement, il n'y a pas de loin avec ça. Donc, préférable que tu aies un accord beaucoup plus large. Et que Dr. Ariel Henry est même capable de demander M. 21 décembre, vous le représenter dans ce collège-là, nous avons une piste de solution. C'est que M. André Michel, avec l'autre membre qui était là, c'est un période où c'est 4 par 4, il y a un problème, il faut que tout le monde nous envoie Henry, dans l'acte de quelqu'un qui est ici, il y a un support dans le gouvernement. La réponse était non. Et situation vient évoluer jusqu'à ce que Dr. Ariel Henry soit tellement convaincu de sa bonne raison par rapport à l'interprétation que le fait de appuyer le gain de tout étranger qui contribue à mettre nous dans le salon.
L'idée dit que lui-même, il va faire l'élection en 2025 et 2026 avant le pouvoir. Donc, la plaisir, lui, c'est si nous voulons. Donc, jusqu'au 10 décembre, le monsieur Kaïkom Yovina, il était encore possible de résoudre le problème là, par rapport à un collègue présidentiel. Mais, évolution de situation d'une prend là, côté des groupes armés, qui prend des décisions, des actions pour obliger acteurs, tout acteur, que l'international, que le national, ou le solution, collègue présidentiel a une solution de passer. Parce que, comme on peut le faire, sept mondes fonctionnaient avec leur désir de pouvoir qui vient là à manifester pendant un collège présidentiel. C'est pas que solution lui-même pas bon, non? Mais nous évoluons. Et ce qu'on a fait nous-mêmes dans le monde, nous avons besoin d'une mécanique pour nous rouler, pour bagailler de CARICOM. Nous avons une proposition publique pour nous dire que la meilleure idée, c'est d'aller vers la solution simple, de choisir un représentant, un juge de la Cour de cassation, qui lui-même, en accord avec les structures politiques et sociales, sera capable de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Acteurs ont évolué et ont arrivé à solution pour le PNB et collège présidentiel. Et nous, notre tentative de mise en place du collège présidentiel, tout ça, c'est des problèmes qui sont en train. Les acteurs du 21 décembre, ils ont une série de jours qui ont marché sans radio. Ils n'ont pas besoin de temps, ils n'ont pas besoin qu'on le fait pour voir pour le prendre, sans qu'ils n'ont pas de répondre à une grande solution à un problème qui est là. Lui montrer que même dans le groupe, il y a des dissensions. Par exemple, dans le collectif Stranger, nous, en tant que groupe, nous, minoritaires, nous disons tout question, hein, nous appuyons ce groupe-là après. Mais il est très clair, nous avons des groupes très différents et nous sommes en position publiquement par rapport à la difficulté que nous avons pris en mise en application sur le campagne, ou de préférence, y aller par un juge à la Cour de cassation, et puis qu'on y a pour n'acheter pour essayer de aborder le problème hier. Donc, acteurs ont évolué. Nous, un problème, nous avons prévoir absurde plus l'un après l'autre. Nous, pourquoi est clair, nous avons pris à le mettre en application. Et comme ce sont des êtres humains qui jouent des élégants, qui pourraient ça qu'a fait, nous-mêmes, nous avons pris à l'assister. Nous avons pris conseil dans chaque point où c'est nécessaire. Donc, techniquement, socialement, et politiquement, nous pouvons voir comment ce solution est capable d'aboutir à un résultat. Nous ne pouvons pas porter critique pour les étrangers, mais nous connaissons qu'il y a une responsabilité dans ce qui est là. Et nous tellement intéressés à ce que c'est une solution, mais nous posons nos questions en anglais, comment faire cette solution qui est plus inapplicable, qui est plus difficile que imposer nous, même dans le pensé que le démissaire de carrière en ligne. Donc, vous avez un premier ministre dans la Caraïbe, là, dans le système yoga avec mon petit sous-côté anglais, c'est quand vous la Jamaïque, la Babad, etc. Dès le départ, nous dédions, ça va marcher. Mais vous avez pendant presque 3 ans. Et conséquence, c'est population qui paye. Donc, je dis à notamment pour tout le monde qui a revenu à la sagesse, nous allons aller vers une solution qui est simple. Et qui plus rapproche de l'esprit de la Constitution, et ensuite, pour nous rentrer dans plus difficile là, je veux nous accepter le Premier ministre dans ce constance que nous y est là, nous qui quittons le Premier ministre dans ce constance que nous y est là, parce que notre tête en anglais, un poste ministériel, un poste au niveau de la prime Mathieu, son poste de responsabilité, il veut dire où est le problème qui est là et où est comment ça peut être solutionné. Pose drapeau
qui te demande ça, nous tendez qui t'a exposé et matin à camper l'intérêt sous genèse question conseil ou bien collège présidentiel là par rapport à expérience politique ou par rapport à tout temps au passé dans pays là, par rapport à observation qu'on fait dans cas d'histoire politique pays là, jodi a puisque il y a des acteurs qui avouent c'est pas blanc qui imposé au conseil là, c'est dans majorité proposition de sortie de crise qui fait yo. Eh bien, blanc, ouais, bon point de similitude et point un li, c'est collège ou bien conseil présidentiel. Donc, pour me retourner avec Sam Dabdio, par rapport à expérience ou par rapport avec observation, qui argument ou pensez que acteur ou gagné pour convaincre la République et même interlocuteur international pour dire meilleure formule, meilleure forme de gouvernance jodi a qui adapté à ça gagne la comme réalité, c'est à un conseil présidentiel ou bien un collège présidentiel. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, moi, je crois que c'est un déficit d'analyse. Solution salité valabilité applicable et je crois que c'est un bagage qui a besoin de tout le monde. Le docteur Ariel Henry est là. Et solution, ça tape pour bonne solution. Jusqu'en décembre, on est à ce qu'il y a une communauté là. Situation vient évoluer, il y a des données nouvelles là-dedans. Maintenant, de t'as parlé maintenant. Et vous avez raison. Vous êtes capable de prétendre que vous avez des problèmes, ça va résoudre. Et vous dites, bon, à faire bandit, ça va exister, mais vous avez des âmes nommées, et vous n'avez pas écrasé. C'est un petit peu enfantin. Ce n'est pas qu'on fait analyse de situation, ce n'est pas qu'on prend des solutions qui sont adaptées à une situation précise. Donc, moi, je crois que tout acteur a un peu d'intérêt pour une opinion. Et même, par exemple, vous exploitez, par exemple, haïtien, vous avez fait tout Kenya, Katoun en Haïti. Mais mes amis, il faut que vous compreniez la politique, que vous compreniez la situation de tout le monde. Pour que vous ayez un état de l'Union, haïtien a tué haïtien, et puis qu'on l'autre pays a pris un petit peu pour l'unité le même temps. Tant que l'Ibago Kenny cause, l'Ibago cause là. À moins que l'Itab défend nous intérêts marqués, et si j'ai intérêts marqués, l'Abdini prend pour lui, la croix, la petite copie tranquillement, mais elle va pas le dire mourir pour nous. Pour cause que le pas connaît. Donc, et puis, hier encore, je dans un débat sur Gram. C'est comme vous dans la police à l'étranger, mais qui haïtien qui a défendu avec seul. Que nous avons résolu le problème avec les techniques et les moyens politiques. Moi, je dis, c'est un seul monde qui a intérêt dans les autres qui ont fait là, comme ça, pour ta pensée, pour bagaille comme ça. Parce que l'autre organisation structurée qui a fait la population sociale, c'est pour blaguer, et on n'est pas capable d'aborder un problème. Et d'organisation spatiale, d'organisation géographique, ministre, faux ministre de la Justice, ça dit, de monde qui comptait du territoire que vous prenez en main, le gouvernement reconnaît, vous avez dit, et vous nous prenez résoudre le problème du territoire avec les méthodes et les moyens politiques, non. Qui les mêmes en direct avec nous, problèmes techniques. Allô, colonel Oulan? Oui, m'entendez. Oui, pardonnez que vous êtes en question maintenant. Non, c'est pour nous, m'entendez. Ah, ok. Oui, alors moi, je dis que il y a des gens qui pensaient que le collège présidentiel, qui est là-dedans, des représentants de partis politiques, lui posait problème, à part de questions de difficultés au cas gagné pour entendre sur une série de décisions. Mais au dit tout, les gens, c'est des représentants de partis politiques qui prennent dans l'élection et principal. Mission conseil ça c'est organiser élection à travers conseil électoral provisoire après le mettre campé donc yo crois que c'est moun ça au parti politique ça yo pral gagner on pas en plus on pas en avance sous de l'autre structure politique qui ont même pas représenté dans conseil présidentiel là c'est pas une considération qu'a mettre sous côté c'est vrai. Leur positionnement à l'intérieur du collège est capable de faire de
à la fois juge et parti. Et cependant, il y a un gros débat dans la société sur monde qui a géré question politique et monde qui a géré question économique. Et il y a un gros menti qui fait dans le pays à côté nous comprendre que monde qui a géré question politique yo, c'est eux même qui a géré l'état, vraiment c'est pas vrai. C'est infrastructure économique là depuis longtemps qui a dirigé l'état. Et il y a des fois où paraît de manière claire. Par exemple, quand Koukounien, yo vle faire réapparition à Claire, et nous songe, après la lutte qui était menée à départ président Jean-Bertrand Aristide là, tout secteur économique là, c'est lui-même qui a fait, qui a géré la question politique là, et géré affaire économique. Ça qui est compréhensible, mais qui n'est pas normal. Maintenant, en ce qui concerne le présent secteur politique, yo, on a toujours joué un monde qui est dans la politique qui est impliqué dans la gestion de l'État. Et si par exemple vous t'avez dit vous pouvez résoudre le problème non, en diminuant la présence des politiques au niveau du conseil présidentiel lui-même, ces affaires nous-mêmes d'anglais, nous opter pour un choix d'un juge à la cour de cassation. Mais leur entrée dans la primature, c'est un monde qui comprend la politique, qui est habitué avec la politique, qui est capable de gérer, dans la mesure où il est capable de prendre position publiquement, il va prendre un acteur dans la participation à l'élection. Et moi, en dans les documents que vous voyez, c'est une conditionnalité qui a été posée. Et c'est une préoccupation qui est réelle. Et il faut qu'il arrive à travers un accord pour résoudre le problème. Ça. Et qui ça, comment vous appréciez ça qui est arrivé à Premier ministre Ariel Henry, qui est même déplacé, quitté le pays, quoi je dis, a fait presque une vingtaine de jours, qui était en retourné dans le pays, mais qui par la suite n'est pas capable de retourner. Arrivé en République dominicaine, il n'a pas accepté l'avion qui était à bol atterri. Porto Rico, encore, pas de monde qui connaît qui s'est passé. Est-ce que les sous contrôle FBI, genre information ont été fait quoi là? Est-ce que les libres de mouvement li? Comment comprendre, on dit, Jean pouvoir ça capoter? Bon, c'était prévisible. C'est un monde qui n'a pas analysé la situation seulement, pas de cabouet ça. C'est un bagage m'a dit depuis environ le début du mois de janvier. Et moi, j'ai eu une intervention publique à la fin du mois de janvier. Là, en pile, on a parlé de chute probable docteur Ariel Henry 7 février. Et nous-mêmes, analyse que nous avons fait dans le GTA, montré que ce n'est pas vrai. Mais nous te connaissons que le dossier ça n'a pas duré au-delà du premier trimestre de l'année 2024. Et c'est ton bagage, son analyse simple et qui est liée au fait que le conseil de agencement qu'a fait au niveau international, le conseil d'intérêt et de rendez-vous politique qui est au niveau international, on paye quand pour les États-Unis, pas qu'à briver dans la période électorale difficile qui est devant là. Avec dossier Haïti à comme ça. Et jusqu'à présent, la trébuché la donne toujours. Et les États-Unis ont un intérêt majeur pour jouer une solution à problème ça. Je supporte le docteur Ariel Henry jusqu'au côté pas de capable encore. Et il était devenu un obstacle. Et me rappelle, moi, il y a environ 12 mois, moi, j'ai écrit une lettre ouverte, côté me dit docteur Ariel Henry, fais attention. Le en politique ouvre un obstacle. Et il y a plusieurs méthodes pour écarter l'obstacle. Naturellement, ça crivé, il n'est pas fait avec élégance. Et les États-Unis utilisaient des moyens très peu orthodoxes. On s'est eu de combinaison et non jouette du chat et de la souris où le docteur Ariel Henry a joué avec eux. L'y sauver pour la Saint-Domingue, il a fait le tourner. Et l'idée qu'il y a tendance pour le courir à le chercher dans l'autre pays, Caraïbes, pour la Jamaïque. Et pour le décaper en bateau, pour la sortir de Jacmel, il a couru d'elle. Li sauver pour la fait sauver pour la terrain Kaikos. Ma dieu mon docteur té un guerrier comme ça non le pas guerrier c'est seul excusez. OLLD dit lui-même li prêt pour faire la guerre, pas dit là non li ba non la guerre avec toutes conséquences la guerre vraiment. Et même l'elle tomber il qui met fusil sous de l'arrêt l'a chasser sa paix. Donc c'est dans bas et les États-Unis avec lui. Oui, il dit à PC, ou s'il était capable de passer par Turkin Kaikos Island, il va arriver encore.
Donc, les États-Unis ont géré pour problème qu'ils ont provoqué. Donc, ça fait pas fait avec élégance. Et c'est une honte qui aurait pu être évitée au pays. Mais pour mieux honte pour nous gagner ensemble, que Dr. fait pour nous gagner, c'est vous le monde qui perd la vie, qui perd du bien, qui continue à perdre la vie, perd du bien, et dans la situation que le pays a. Mm-hmm. Donc, bon Dieu fait le vivant. Et là, j'ai reste la vie, et là, j'ai le temps. Et est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien qui lien au passé que tu as gagné entre assaut et bandits sur plusieurs commissariats qui attaquaient en même temps une série de sites, arrivé même attaquer l'aéroport international Toussaint Louverture qui fait avion pas qu'à atterrir avec sacrivé Ariel Henry. Ou du moins, qui est-ce que tu as dit qui capote Ariel Henry? Est-ce que c'est Negazamio ou bien c'est Moun qui te mette lio? Bon, grand problème concernant le pays, je ne pas courir sur première probabilité. Et moi, je mette un peu le cadre de deux possibles. Moi, analyse pour moi, et vraiment qui est si tapé, et paraître, c'est lui-même vraiment. Et c'est évident que le bagage qui fait ça, ce n'est pas un bagage qui est totalement interne. Ça me comprend. Gaudi peut on a vu la table sur toi, qui ont très grande accélération dans une structure. C'est un pays qui a une capacité d'organiser les bagages, d'organiser les biens. Et nous avons un chaos généralisé qui justifie une nouvelle orientation. Je ne dis pas que ce n'est pas mon analyse, non. Parce que l'on analyse, on a un droit de dire que bon, j'ai une propre préoccupation, par exemple. Nous avons une situation de, à la guerre comme à la guerre. Nous sommes obligés à faire des bagages. Pour défendre tête yo. Et on connaît bon théorie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Le yo, ouais, bagaille politique, là, a se marqué vers une solution. Et que solution, inévitablement, est capable de contourner. Et une solution capable d'appliquer. Donc, ils ont passé à l'offensive. Pour nous montrer, aux grenadiers à la fin, ils ne jouent pas. Et qu'ils sont prêts à vendre pour leur terre. Et c'est une information que vous voyez par l'international là. L'international là, pas capable pas analyser. Nous, back en arrière, Kenya a pris ce sujet là. Parce que de plus en plus, là, vous rendez compte que c'est un bagage aussi facile que le bagage ministre qui s'est passé là. Donc, bagage qui a passé là, je ne prends pas forcément comme un bagage qui est dans le pays. Maintenant, moi, qui me dit que c'est là, c'est une capacité de l'économie. Assez souvent, c'est mais c'est un bagage qui est en cours d'analyse, et il faut être analysé pour permettre de connaître qu'ils ont pris un côté, qu'ils ont capable de résoudre. Autant de, ou bien li, déclaration ancienne ambassadrice américaine en Haïti, Pamela White, qui dit qu'elle pensait que Guy Philippe et Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ça doit faire partie solution dans la crise politique pays a fait face actuellement. Il dit, si l'idée gagne sous table discussion, ça peut être capable d'aider dans résoudre le problème. Ou d'avis? Probablement que Mme Pamela White exagère comme l'habitude. Même pas qu'il y a un monde qui sent d'esprit, qui t'a capable de penser que le problème qui vient là pour résoudre lui. Sans penser à l'existence de chaque acteur. Qui intérêt que vous avez, qui ça vous capable de défendre et qui moyen vous capable d'utiliser pour défendre ça vous avez intention de défendre. Ce sont des éléments du problème. Une analyse rationnelle faite pour tenir compte de chaque élément séparément et une conjonction qui gagne entre éléments pour arriver à de bonnes. Et toujours suivre dans l'intervention auparavant, ou tu as toujours gagné doute sur Vini Force Internationale là dans le pays. Donc, situation vini pi aggravée. Donc, là, moun pa ka mache, situation pi grave que j'en ai auparavant. Est-ce que d'après vous-même, bon façon rapide
qui capable de faire, qui est la meilleure façon rapide que nous sommes capables de faire pour arriver à stabiliser le pays? Bon, malheureusement, nous n'avons pas de solution rapide, des solutions rationnelles. Et vraie solution que Haïti a beaucoup d'entendre personne parler de lui. Moi, je ne sais pas si je ne peux donner personne. Est-ce que nous connaissons que l'armée ou pas faire l'armée pour faire la guerre? Rôle l'armée, premier rôle un pays, premier rôle l'armée, c'est qui mécanique pour mettre en place pour arriver vers la paix. Maintenant, qui j'en va organiser ou pas obligé de faire la guerre? Il y a un peu de monde aujourd'hui qui comprend pour les problèmes qui est là. C'est faire du plan pour aller chercher les bandits ou pas tout pour abtourner. C'est deux monde qui pas très connus depuis ça y a parlé. Et qui j'en structure sociale organisée et qui j'en comprend en disant structure sociale émergée pour réagir. Moi, j'ai toujours connu que les forces étrangères pas venir. Parce que nous n'avons pas de conditions de base pour permettre au monde de venir courir au risque humain. Là. Les États-Unis ont abordé la question et abordé très mal. Tout le monde connaît que le dossier qui a été adressé, les États-Unis disent. Maintenant, pour qu'ils soient en dossier dans le monde de l'Olivier et pour le Canada, vous dites que vous avez une bonne vie. Il n'y a pas d'exode. Si j'aurais l'analyse qui ils ont bien formé nous-mêmes, c'est la même raison ça a beaucoup. Donc moi je dis toujours qu'on est que force étrangère pas abdou en Haïti, parce que propre force étrangère, ils n'ont plus à les. Ils prennent une théorie pour faire comprendre que la police seulement un pays capable d'organiser la sécurité. Ils ont même organisé un bagage tout partir que le CSPN. Il y a un seul élément opérationnel là-dedans, le directeur général de la police là, avec secrétaire ou bien monde qui dans la police là qui a assisté. Mais les décisions de guerre, les décisions d'organiser la paix, ce sont des décisions politiques. Ils n'ont pas relevé de compétences de la police. Et la police pour l'opérationnel. Nous n'avons plus d'infrastructures organisationnelles qui protègent. La police n'est pas responsable du contrôle des mouvements des personnes de l'autre pays à Haïti. Elle n'est pas responsable de contrôler qui matériel qui a sorti dans l'autre pays pour le rentrer en Haïti. Mais elle est là pour payer les premières conséquences parce que vous avez une manifestation de notre système social là. Maintenant, vous avez tout ça là, vous mettez tout sur la police. Il y a des gens qui ont raillé la mer en Haïti. Qui dit qu'il faut graser la mer, car ça, c'est tout le temps qu'il faut graser la mer. Mais même eux-mêmes, qui peut me bagarrer de faire? Je fais la mer, si moi, c'est que la mer dormit, on voit la mer sans maman, et la mer dormit par les mains. C'est plus des autres qui mènent nos côtés, nous, hier, aujourd'hui. Donc, si nous voulons résoudre le problème, il faut aller dans la racine. Et la solution, aujourd'hui, moi-même, je ne crois pas que les forces étrangères sont venues. Les États-Unis abordent des questions en mal. Et je ne sais pas si je ne sais pas expliquer ce que vous pour faire nos fils à l'an, tout le temps, tout, pas venir, tout, pas venir, etc. Même Kenya qui a dit d'abîmer, l'affaire de Kenya est mal posée. Parce que dès le départ, dans le même concept que nous connaissons avec le politique, c'est la politique pour les oubliés. Il y a le point. Il y a le bail commandement à une police étrangère. Là, vous venez à évoluer, vous avez bagarre la guerre, vous donnez pour faire connaissance, savoir-faire, l'armée qui vous résoudre. Je dis à mettre tout prix de faire la donne. Beaucoup de gens connaissent la formule au niveau international, quand ils ont bail la police, son commandement, et puis vous avez tout prix de faire, vous jouez en balle. Ça va fonctionner comme ça. Et même l'ordre de la constitution d'Haïti. Même leur appelé organisation et des structures opérationnelles des pays étrangers. Où est-ce que c'est police communautaire, police et locale et départementale, police fédérale, et leur arrivé dans le niveau, problème de dépasser compétence toute quantité de ça, ils ont fait appel à la garde nationale,
si bagay la vin plus sérieux, yo fait appel à l'armée au dernier point. Et le l'armée vin, la police déplacée. Parce que mode opératoire ou pas même. Donc, moi j'ai toujours connu le monde qui t'a dit la boue est de blague de travail. Même par exemple, l'opéra des États-Unis t'a dit la boue est de travail. Ou un président ou tout son commerçant, lui-même, qui a fait pour lui la brigade, bah, qui pour lui avant de déplacer. Maintenant, moun qui vous jouez un complot, je fais une erreur. Et moi-même, chaque fois que les États-Unis font une erreur, je m'attaque en bas pour comprendre vraiment qui est intéressant. Parce que pour des opérations comme ça, en extérieur, il y a des fonds secrets. Et il y a des méthodes pour développer des fonds pour faire des opérations comme ça. Moi, attendez, une autre là, là, de. Oui, je demande le congrès à 10 millions, le congrès à pas près. Je demande 50 millions, le congrès à 10, après ça, c'est chez 17, etc. Donc, est-ce qu'on pense que les États-Unis sont capables de débloquer des fonds secrets après que vous finissez devant le congrès pour opération en Haïti? Ils ne sont pas capables parce qu'il y a une lutte politique à l'intérieur pour les démocrates avec les républicains qui sont face à face. Tout chaque pas bon pour les démocrates, les bons pour les républicains, donc on va qu'il y a un congrès à débloquer l'argent pour les problèmes de sécurité en Haïti. Parce que les ont un enjeu politique aux États-Unis. Et comme il était que tu as fini d'introduire beaucoup de congrès, dans la partie méthode, il y a quand même des fonds secrets pour faire opération, parce que pour une spiale pour les fonds quand même, il y a fait opération. Le congrès républicain a demandé une publication pour 2024. Donc, il y a compliqué de bagaille qui était fait au départ. Et comme il n'y a pas sorti, moi-même, il y a une raison. Parce que nous connaissons à travers le monde des conseils de fonds spéciaux et des fonds secrets qui utilisent pour des opérations qui ne pas forcément déclarées par devant les structures de contrôle. Ça fait tout le temps et nous te connaissons. Et histoire colonel Oliver North et dans une série d'opérations qui étaient liées à contrats, etc. Donc, les méthodes pour résoudre les problèmes existent, les moyens aussi. Donc, l'OEAL prend un moyen qui est contre-productif au départ. Donc, peut-être ça m'a dit la grande pile monde qui pas connaît, qui pas comprend ni, et même à parler de bagailles qui est liées à vie technique dans la gestion de la sécurité des nations. Alors, colonel Rebu, on a prêt à le finir avec un instant. Oui, on a prêt à le finir avec Tipalissa, on a fait matin. Comment on prévoit ça n'a vivre là comme crise capable de finir? Bon, vous le faites tout simplement ça, nous vous le faire. Elle prend problème là par le haut. Parce qu'il n'y a pas résolu le problème côté problème n'a manifesté. Côté problème n'a manifesté, il y a un capable de mettre une stratégie de contention. Ça veut dire que, ou empêcher que le monde ait une capacité pour le sortir à faire du déblousage dans la rue. C'est le premier bagage. Non, en un concept de guerre, mais non, quand un concept de contention. Ensuite, c'est important pour préparer les moyens et les forces réelles. Haïti dispose d'une armée extrêmement entraînée, extrêmement organisée. Mais malheureusement, il y a l'étranger. Les conditions diplomatiques et politiques pour mobiliser l'autre. Pas qu'on réunit. Nous ne pouvons peut-être pas penser à ça parce que nous ne connaissons pas ce qu'on a fait. Nous ne pouvons pas décider de ce qu'on a fait. Le problème qu'il a, c'est d'abord un problème de gouvernance. Ensuite, il y a les forces armées d'Haïti qui sont là, qui sont négligées, abandonnées, qui n'ont pas de moyens pour l'entraîner, qui n'ont pas de matériel et équipement. Mais ces deux bagages, ça, autant de les bons brisés, le jeu d'il vient en Haïti, il parle avec le monde, il va tellement rencontrer le monde qui comprend ce qu'il fait. Nous ne parlons pas publiquement, oui. Même Napson, j'ai ambassadeur, quand il a été dit, nous, que matériel n'a pas d'acheter au Canada, il n'a pas de parler de le faire contre pour le roi. Ce n'est pas matériel qui va permettre de résoudre le problème de nous là. Parce que le bagage n'a pas c'est de matériel de transport de troupes. Si pour résoudre un problème, pour comprendre, c'est pour que les gens qui connaissent, qui pensent sur le problème, ça. D'abord, c'est la gouvernance. C'est rétablir le pouvoir exécutif. Lorsqu'il rétablit le pouvoir exécutif, là, pour rétablir le pouvoir judiciaire,
Parce que le pouvoir judiciaire, j'en ai organisé à la Cour de cassation, il fait avec une tâche technique sur lui, et du point juridique, ou pas d'appelmatique, il faut rétablir. Et ensuite, il faut réunir les conditions. Bon, tout le monde a besoin de capables. Tout le monde a pensé qu'il faut arrêter les bandits pour nous. Les bandits qui ont produit des armes, qui ont produit des munitions, qui ont produit des bagues, qui ont pris des affaires de l'eau dans l'air. Et les bandits qui ont géré le gros là, ils ont fait des kidnappings. C'est dans la rue à Sabato. Ces bandits intermédiaires ont pris des noms toute la journée. Donc, si nous parlons dans tout ce problème, il y en a toujours à gommer toute la journée le même problème, mais nous ne pouvons pas résoudre. Donc, ça demande du savoir, du savoir-faire, et ça demande l'organisation. Grand pile, aujourd'hui, à Capaille, de retourner sur le pouvoir. C'est un peu côté de Jovenel Moïse, à le conseil, à toute institution pays. Au point que je dis, à, ou pas qu'il y a une référence institutionnelle pour faire pays à de la paix. Donc, quand nous prenons ça, nous, quand nous abordons le problème, nous avons fait pour aborder, et le premier pas, c'est rétablir la gouvernance de l'État, rétablir les structures juridiques de l'État, et ensuite, porter solution par blanc, parce que blanc est gravé là. Moi-même, je crois que si les États-Unis ne résolvent le problème ça, avant la fin du mois d'avril, eh bien, le président Biden nous met toi à dormir, le président Biden pour la dormir, avec la réserve pour le président Biden. Maintenant, comme le problème du roi, c'est le problème par nous d'abord, pour que je vienne de monde qui connaît, qui s'est parlé, qui a dit, OK, en matière d'hommes, d'équipement et de matériel, mais qui a besoin, de côté de Cambrino, mais qui vient nous organiser. En matière de traité qui sont besoin, même stratégie qui a utilisé, et voilà les moyens qu'il faut pour ça. Depuis où commence la situation est là, on pense à la guerre, on pense à mon voile. C'est pour une fou, même avec moi, qui aurait capté un seul de mon, y'a pas qu'on est, y'a pas qu'un côté avec eux, et ben, là, nous donnons nous avec des alvolés, avec des alpines, bah, nous volons, bah, nous, donc, y'a commencé à déblater les nefs, même eux-mêmes. Et là, pour qu'il y ait des leaders politiques, tout, qui tombent dans la même situation, qui sont une bonne occasion pour y aller prendre pour bon. Et puis, cap censé pactiser publiquement dans deux bagages, c'est pas normal. Donc, il faut des gens beaucoup plus posés, beaucoup plus rationnels, qui est capable de prendre du recul et pour proposer les solutions. Les armements possibles en Haïti, c'est oui. Et qui bon, qui façon l'État, en tout cas, capable d'utiliser pour empêcher les armes et munitions rentrer avec facilité sur le territoire national là. Méthode pour faire ça, vous savez que toujours existe. Au passage, j'ai qu'on l'aime de mon élection, vous n'avez pas en Haïti, vous n'avez pas en Haïti, vous n'avez pas en Haïti, vous n'avez pas en Haïti. Donc, il y a une méthode, il y a une solution pour tout problème qui vient. Il faut chita parler avec les gens qui connaissent qui savent pour ça. Est-ce qu'on est capable de faire un pays fonctionner sans qu'on parle de système d'intelligence et de contre-intelligence au niveau de l'armée? Est-ce qu'on est capable de faire un système pour fonctionner notre système sécuritaire sans qu'on pas de service de renseignement? Est-ce qu'on est capable de protéger une ville pour ne pas quadriller avec trois étages quadrillages qui prévoient toute ligne pour faire ça? Mais sous ma caille, on va mettre des portes, on va mettre des fenêtres là-dedans. On va pas bétonner son volet passé dans la rue, l'on va mettre des fenêtres là-dedans. On va pas bétonner le tout voler, on va prendre un bagage que l'on a besoin de loin qui capitule. Donc, c'est un caillou que nous construisons, nous ne mettons ni porte ni fenêtre là-dedans, ou bien après ça, on a plein de voler avec. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes irrationnels. Moi-même, je ne suis pas fonctionné plus ça, côté ma chute. Avec le monde qui est capable de protéger le défi à l'avenir. Donc, pourquoi j'entends qu'il y a un monde qui parle de nature qui problème qui est là et qui va nous faire tout le monde. Maintenant, dans le monde qui veut aller au pouvoir, ça, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Mais vous me rappelez une anecdote. Les par exemple, tout est la photo d'Abel Rattel, la photo dans le président qui était une passée pour te faire alto pour l'État 6 janvier. Mais même le monde vivant là, il est capable de voir, il est dans le secrétariat président.
c'est la caille de réunion de ça. Et puis, monsieur dit non, donc il y a peut-être une entrée dans le et puis après, on va prendre l'option de Bayron. Monsieur Mtchek réagit. Même si monsieur nous fout bien tout ça. Il te dit, monsieur, où est-ce que ça m'a dit non? L'a dit nous non. Parce que comment est-ce qu'il comprend que je ne passe pas dans le palais, et puis après, il y a un téléphone dans le Bayron, il te dit non, ça n'a pas les bagages qui existent, mais ça fait combien d'années du Bayron? Le bagage est sans doute. Le grand pile monde qui voulait pouvoir quand vous avez si joué, il y aurait peut-être côté, il y aurait mon tabac en sécurité, il y aurait avantage, il y aurait prestige que bien, vous gonflez même côté. Mais ça, vous pouvez le faire, pas penser à lui. Vous pensez après que vous entrez, puis à Bayre, vous ne pouvez pas penser, non, ça va faire comme ça. Haïti changé, bonne tourte avec Johnny Claro, et nous maintenant, Grenouille, réfléchir. Si il y a un problème, c'est que bien solution. Et solution aujourd'hui, un, c'est rétablir la gouvernance rationnelle de l'État avec un esprit garde plus proche de la loi, rétablir la justice dans la composition structurelle et dans l'organisation spatiale, et quitter avec étrangers, discuter de vraies solutions à problèmes sécuritaires pour, dans un premier temps, pour stopper, et ensuite pour aller progressivement pour corriger. On va nous penser à aider à faire élection pour nous pas élu ou plus bandit, député, sénateur, magistrat, etc. Allô? Allô? Oui, merci un peu, colonel. Est-ce que vous êtes disponible pour Caraïbe FM matin? Pas de problème, Gabriel. Bonjour, que personne ne désespère. Voilà, colonel Himmler Ribu, dirigeant Gré. Qui est à parler avec nous matin.